Bonjour à tous, donc je suis très content de vous retrouver pour une petite séance lecture. Donc aujourd'hui, je vais vous lire un album qui s'appelle C'est moi le plus fort de Mario Ramos. On a déjà eu l'occasion de le lire ensemble en classe, mais j'espère que vous aurez plaisir à retrouver les aventures du loup. Voilà, je commence sans plus tarder. Bonne lecture, à tout à l'heure. C'est moi le plus fort. Un jour, un loup qui avait très bien mangé et n'avait plus faim du tout décide de faire une petite promenade dans les bois. C'est l'idéal pour bien digérer, se dit-il. Et en même temps, j'en profiterai pour vérifier ce qu'on pense de moi. Il rencontre un joli petit lapin de garenne. Bonjour, belles oreilles. Dis-moi, qui est le plus fort? Demande le loup. Maître Loup, incontestablement et sans aucun doute, c'est absolument certain, répond le lapin. Le loup, très fier, continue sa promenade dans les bois. Comme je me sens bien dans ma peau, dit-il en respirant le parfum des chênes et des champignons. Il rencontre alors le petit chaperon rouge. Sais-tu que cette couleur te va ravir? Tu es mignonne à croquer. Dis-moi, mouchette, qui est le plus fort? Demande le loup. C'est vous, c'est vous, c'est vous, et ça c'est sûr, grand loup. On ne peut pas se tromper, c'est vous le plus fort, répond la petite fille. C'est bien ce que je pensais. C'est moi le plus fort. J'aime qu'on me le dise et qu'on me le répète. J'adore les compliments. Je ne m'en lasse pas, jubile le loup. Il rencontre ensuite les trois petits cochons. Que vois-je? Trois petits cochons loin de leur maison. Comme c'est imprudent. Dites-moi, les petits dodus, qui est le plus fort? Demande le loup. Le plus fort, le plus costaud, le plus beau, c'est assurément vous, grand méchant loup, répondent ensemble les trois petits. C'est évident, je suis le plus féroce, le plus cruel, c'est moi le grand méchant loup. Ils sont tous morts de peur devant moi, je suis le roi, claironne le loup. Un peu plus loin, il rencontre les sept nains. Yo, les zinzins du boulot, savez-vous qui est le plus fort? Demande le loup. Oh, le plus fort, c'est vous, monsieur le loup, répondent d'une seule voix les petits hommes. C'est clair, c'est net, ça ne se discute pas, tout le monde le sait. Je suis la terreur de ces bois, c'est moi le plus grand des méchants, proclame le loup. C'est alors qu'il rencontre une espèce de petit crapaud. Salut, horrible chose. Je suppose que tu sais qui est le plus fort, dit le loup. Sûr, c'est ma maman, répond l'espèce de petit crapaud. Quoi? Pauvre gargouille, misérable artichaut, tête de lard, tu cherches la bagarre? J'ai du mal à entendre. Qui est le plus fort, s'il te plaît? Répond le petit dragon. Et toi, qui es-tu? Moi, je suis le petit gentil loup, répond le loup en reculant prudemment.